J'ai rien fait moi, calmez-vous. Laisse-moi le temps de m'équiper, frère. C'est mon collègue. Aux autres là, t'es qui? Vas-y, parle. Eh, maintenant, écoute-moi bien. Plus, je viens pas. Tu veux pas mourir? Ben non. T'as intérêt de me donner le numéro de ton tel. Ta gueule, toi, je parle pas radio. Je comprends pas trop. Laisse-moi gérer ça. Tu veux? Toi, envoie-moi le numéro de ton collègue. Ton père va mourir, ta tante. Toute ta famille va mourir. JS, tu l'appelles. JS, prends ton numéro. Vas-y, alors, son numéro, c'est quoi? Il va juste à mourir comme ça, yo. Contact. C'est. Alors. On parle beaucoup sur Colette pour rien dire là. Je regarde ton téléphone là si tu fais des dingueries. Et il m'a dit qu'il est arrivé. Il est arrivé. Tu vas pas me passer le numéro. Écoutez, non, attendez, attends, écoutez, les gars, je vais vous demander un truc. Regardez ceux qui sont avec moi. Oh, attendez. On t'a demandé son numéro, pas de lui envoyer des messages pour lui demander s'il peut arriver. Alors, je vais demander, mais il veut pas venir. J'ai son numéro maintenant, tu vas pas me donner. Regardez bien ce que je vous écris, les gars, s'il vous plaît, faites ça. Yo, on entend et pour son collègue aussi, ouais. Et en plus, t'es avec ton collègue par derrière. Rajoutez ça dans le truc que je vous ai dit. Il m'a envoyé un message. Je m'en fous. Ton gars, où je l'entends, je devrais pas l'entendre. Et ça va t'apporter des problèmes. Donnez-lui un dollar. Moi, j'ai t'as vu, j'ai des dingueries. T'inquiète, j'ai GoPro. Donnez-lui un dollar, les frères. Comme ça, lui, on aura son blaze. En plus d'avoir des problèmes avec nous, il aura des problèmes directement. Mais j'ai fait quoi moi? J'ai rien fait, c'est mon collègue. De toute façon, ton collègue il voit, donc écoute, y'a même pas besoin de l'appeler, je sais très bien qu'il voit. Maintenant, il a voulu faire les grosses couilles. T'as son numéro ou pas? Ou tu veux pas? Voilà, 5, 2, 3. 2, 5, 2, 2. Il a dit, faut lui laisser le temps de s'équiper, il arrive, il m'a dit ça. Il a pas le temps de s'équiper, je sais, le nombre que vous êtes avec vos armes, j'aime bien. Tu fils de pute, je sais que c'est toi. Pourquoi tu veux jouer les grosses couilles? Tout à l'heure, j'ai pris la plaque dans le cours, moi, j'ai pris leurs deux têtes en photo, j'ai bien fait exprès, j'ai tout pris, j'étais en civil. Ils m'ont pas vu, c'est des trous du cul. Je te retrouverai, frérot. Je vais te baiser. De toute façon, tu vas rien trouver. Regarde, tu vas baiser qui? Je t'ai prévenu, j'ai un otage, j'ai ton frère en otage. Tu me fais les grosses couilles une fois. Deux fois, alors tour. Trois fois, quatre fois, cinq fois. Ton frère il va pas se relever, hein. Il a pris une rafale de micro Uzi, il va pas se relever. Je vais te retrouver, toi je vais baiser ta mère. Ton frère, c'est pas. Écoute-moi bien. C'est pas comme le couteau tout à l'heure. C'est pas comme le couteau tout à l'heure. Ton frère il va pas se relever, d'accord? Tu verras si il va se relever. Regarde mon visage, tu vas faire quoi? Regarde mon visage, tu vas faire quoi? Je vais baiser ta mère. Regarde-moi, je vais baiser ta mère, je vais baiser ton sang, s'il te plaît. Oh, je vais trop tuer. Je crois que j'ai peur de toi, yo. Attends, remets. Non mais frérot, écoute. Non mais, ça suffit. Tout à l'heure, on les attrape, on leur fait comprendre. Ils refont les mecs, on les réattrape, ils me font les grosses couilles. Maintenant, il y en a un des deux, il est mort ce soir, il ne va pas se relever, il y en a un des deux qui fera plus les grosses couilles.